D'abord celui de Gisèle Gelbert. Gisèle Gelbert est médecin neurologue. Après avoir été orthophoniste, elle a été l'élève du linguiste Gustave Guillaume et a publié « Lire, c'est vivre », puis tous ses séminaires aux éditions Odile Jacob. C'est incontestablement une personnalité de premier plan dans le monde de la compréhension des processus cérébraux et du langage. Son nouvel ouvrage, « Au cœur des apprentissages fondamentaux », sous-titre très important « Parler, puis écrire, puis lire », paraîtra donc à la rentrée. Gisèle Gelbert est remontée aux sources du langage, à ses balbutiements, si j'ose dire, afin de comprendre les troubles du langage parlé comme du langage écrit, les comprendre, mais surtout les réparer. Gisèle Gelbert est souvent considérée comme une bonne fée ou comme une magicienne. Elle a tout simplement révolutionné la thérapie des troubles du langage. Elle a formé des générations d'orthophonistes et redonné espoir à des milliers de patients souffrant d'aphasie, de dyslexie, de dysorthographie, pour n'en citer que quelques-uns. Ce livre offre une large synthèse de ses méthodes révolutionnaires, le tout dans un langage parfaitement accessible au plus grand public.